Alain Gillet, félicitations, belle victoire. Raconte-nous comment se passe ta vie ici à Ostende. Je m'y fais vraiment à l'air de la mer, ça fait du bien, c'est très plaisant. On a une très bonne équipe, on s'amuse dans les vestiaires, c'est incroyable, on travaille sur le terrain et en dehors, Ostende est une belle ville, et puis on profite de la mer quand il fait beau, et donc c'est chouette. Ouais. Tu as failli participer à l'Euroleague, comment s'est déroulée cette expérience pour toi? On a fait vraiment une belle semaine, un gros tournoi là-bas, on a gagné de gros matchs, on a été la surprise je pense de la semaine et personne ne s'y attendait et je pense que même dans le staff non plus, mais bon, on s'est battu pour gagner, on a joué pour gagner, on a gagné, bon malheureusement la finale on a perdu de très peu, vraiment deux dernières minutes et c'est sûr qu'on a été peut-être un peu déçus et frustrés au vu de nos prestations. Maintenant, je veux dire, c'était une très belle expérience, on voit qu'on a vraiment grandi ensemble, on a acquis quand même pas mal d'automatisme durant cette semaine et on voit qu'on joue très bien tous ensemble. Tu as l'air bien en forme cette saison. Quel est ton objectif personnel? J'essaye d'apporter un maximum dans l'équipe. J'aimerais bien être le 4 entre guillemets majeur de stand et puis d'apporter un maximum, je veux dire même évoluer dans mon jeu et peut-être pénétrer plus et pas me contenter que de mon shot extérieur. Vraiment de devenir vraiment un joueur complet et peut-être irremplaçable. Non, j'essaie vraiment de travailler sur pas mal de choses et je sais bien qu'avec le coach, c'est sûr que j'ai bien travaillé. Merci Pierre-Antoine.